Elle est plus petite. 10. Le bâtiment. Cette histoire commence alors que je cheminais tranquillement vers la voie des longues études, dure et compliquée. Bref, heureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Je fis l'heureuse rencontre de ce conseiller d'orientation qui donc me conseilla, ce qui est entre parenthèses pas trop mal pour un mec qui a payé pour ça. Va dans le bâtiment, tu vas voir, c'est le pied. On te demandera pas d'être intelligent, à peine de savoir compter, genre 1, 4, 7. Ça va être génial, tu vas voir, tu vas faire un métier manuel. Manuel ? Non, Manuel, ils sont tous portugais. Moi ? Je l'ai écouté. Mais quelle erreur n'avais-je pas faite ? Quoique, grâce à lui, j'ai enfin trouvé une raison d'être. Monter des cloisons, poser des fenêtres, convertir ma paye en malbo et en piquette, signer un contrat de 35 heures pour en faire 47...